Voici trois choses que tu faisais en 2023 que tu ne devrais plus faire en 2024 lorsque tu prends contact avec quelqu'un sur les médias sociaux. Regardez bien cette vidéo à la fin, je vous donnerai aussi trois astuces gagnantes. Première chose, transférer une vidéo à quelqu'un sans expliquer le pourquoi ni le comment de cette vidéo et pourquoi cela pourrait intéresser la personne. Deuxième chose, prendre contact avec quelqu'un pour la première fois en écrivant CC, BSR, BJR, Hi ou même des émojis, la main levée. Évitez de faire cela. Et troisième chose, lancer un appel audio ou vidéo sans avoir obtenu l'autorisation de la personne que vous alliez la contacter de cette manière. Maintenant, je vais vous donner trois astuces pour que votre message soit lu et répondu. Et à la fin, je vous donnerai le quatrième bonus. Regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin. Première astuce, personnalise ton message. Prends le temps de regarder le profil de la personne, voir ce qu'il fait, ce qu'elle fait, voir ses centres d'intérêt, son métier. Et ça permet d'avoir un message beaucoup plus juste, plus approprié. Deuxième astuce, sois clair et concis. Explique clairement le but de ton message. Formule les questions que tu souhaites que ton interlocuteur réponde. Essaie de faire des phrases courtes. Évite de longs paragraphes qui peuvent être ennuyeux. Et troisième astuce, évite les abréviations qui sont parfois source d'erreurs et de confusion. C'est important de faire des phrases en expliquant des choses, mais évitez des abréviations qui peuvent être mal comprises. On peut tolérer des fautes d'orthographe, mais parfois certaines abréviations ne sont pas interprétées de la même façon. Et finalement, le quatrième bonus, présente-toi. Prends le temps de te présenter, de dire qui tu es, ton métier, ton âge, ta ville, ton pays, ce que tu fais. Et ça démontre un certain degré de professionnalisme et aussi ça met en place une relation de confiance vis-à-vis de l'interlocuteur avec qui tu veux prendre contact. Les médias sociaux sont un outil, mais il faut l'utiliser de façon efficace. En 2024, en appliquant ces quatre messages dont je t'ai parlé, tes messages seront répondus dans la grande majorité des cas. Partage cette vidéo, ne garde pas ça pour toi. En 2024, on va éviter d'être égoïste avec les bonnes astuces. C'était le docteur Souris pour vous servir. À votre santé, prenez soin de vous.